Ben, j'ai un ORTF un peu encombrant, un peu fragile, un petit couple de micro cardio, tout petit, tout mignon, tout léger, avec leurs petites bonnettes, leurs petits chapeaux rousses pour les protéger du vent. Puis je ne sais pas très bien ce que je vais pouvoir faire avec tout ça là-bas. Welcome on board. This is my train number 94, bound for Umeå, Luleå and Narvik. Orbiter is located in the middle of the train and it will open in about 5 minutes and it's going to stay open until 22:40 tonight. Sarek, Sapmi, le pays des Samis, Laponie suédoise, Jokkmokk, 6 consonnes, 4 K, une commune grande comme la Belgique et 5600 habitants. Au nord du cercle polaire arctique, 67 degrés nord. Départ à ski de Kvikkjokk, 5K, pour enregistrer les sons du rien. Le vent, la neige, l'immensité, ma petitesse. La semaine dernière, c'était la tempête ici. Et cette semaine, rien. Pas un gramme de vent. Mais le silence. Et quand on n'entend rien, est-ce qu'on entend encore quelque chose? Soi-même, on fait beaucoup de bruit. Et puis il y a les acouphènes de ses oreilles, les bruits internes. Mais au-delà de ça, il y avait un bruit de fond, très loin. Au milieu de rien, rien ne faisait du bruit. Et il y avait ce bruit de fond, très loin, très grave, continu, tout le temps, le jour, la nuit. Presque imperceptible, mais là. On s'est demandé ce que c'était. Peut-être le grand frigo, celui qui permet de rafraîchir la montagne, de tenir la neige en neige. Ou alors, peut-être le bruit de la terre. Qu'est-ce qu'on entend quand on n'entend rien?
cheer for the JR line. Thank you.
I don't want to.